Salut tout le monde, c'est Kuno. Je vais modifier une classe spéciale. Donc là, je suis en train de me faire au fur et à mesure. Donc, je refais un petit peu comme je le faisais. On va totalement supprimer celle-là. Et on va la refaire. Alors, j'ai une classe qui est très simple. C'est parce qu'en fait, là, en ce moment, comme vous pouvez le voir ici, je suis bloqué à ce. J'ai pas le modèle L pour le moment, qui aurait été très important pour moi. Mais quand je fais une classe d'armes. Généralement, je les fais deux par deux. C'est-à-dire que là, je fais le GPR 91 et je vais mettre le modèle L en second. Comme ça, en fait, si je termine le GPR 91 en cours de partie, je peux changer avec le modèle L en cours de partie pour le mettre pour faciliter. Sauf que là, je ne l'ai pas débloqué. Donc là, ce que j'ai fait, c'est qu'en attirail perso numéro 1, j'ai fait l'attentat. Tantôt qui est, soi-disant en passant, cela je ne les ferai pas dans l'ordre, parce que tout simplement, je me suis rendu compte que quand on passait un prestige, eh bien, on recommençait tout à zéro, et la l'arme qui était en principale, c'est toujours la C9. Donc la C9, je la ferai en dernière. Donc je commençais par débloquer un maximum d'armes, ça ce qui est. Ouais. Genre, tu vois, la Jackal, pas ou parce que je l'ai débloqué grâce à un. Comment on appelle ça? Grâce à une variante. Bah, je vais la le faire en avant-dernière. Ou en dernière, tout dépend. Ouais, en avant-dernière ou en dernière. Et en fait, par exemple, la compacte, pardon, je la ferai en première, une fois que j'aurai déverrouillé. Si jamais j'ai atteint le niveau à ce moment-là. En gros, je commence par la fin pour arriver vers comme ça, c'est plus simple pour moi de les faire. Donc voilà. On va commencer maintenant, soit dit en passant. Donc du coup, j'ai déjà fait une classe avec la tantôt. La tantôt que j'ai que niveau 2, donc j'ai pas grand-chose à faire, hormis, je crois que c'est la bouche ou les lunettes. Ouais, c'est la lunette. Donc là, je vais faire une lunette qui est assez précise. Donc là, on a un peu plus de précision, le grossissement 1,5. Et après, j'ai plus rien, j'ai rien de spécial. Non. Donc pour le moment, on reste comme ça. Là, c'est pareil pour le GS45, il est déjà fait au maximum. Ils sont niveau 2, je n'ai pas à y toucher. C'est là où je vais avoir à y toucher. C'est parce qu'en fait, dans les atouts, pillard, assassin, pas de course, je voulais avoir la spécialité exécuteur. Mais dans une seconde. Hop là, qui est juste là. Attends, ça, celui-là, c'est lequel? Celui-là, on peut le supprimer. Bam. Celui-là, qui est plus simple. Hop. En secondaire, j'ai pas envie d'avoir le GS45. J'ai envie d'avoir une classe en surarmement. On va arriver ici. On va prendre le fusil de précision que j'ai envie de prendre. Donc là, en l'occurrence, ça va être le LR. Ah, et qui est pas mal. Et on va mettre le camo qui me fait le plus plaisir. Là, en l'occurrence, c'est le Monster. Hop là, le Monster. Déjà, quand j'ai commencé, j'avais le Willis. Voilà, le Willis qui est comme ça. Je n'aime pas. Donc, je décide de le laisser comme ça. Là, on ne peut vraiment rien faire. On est niveau 6, donc on a peut-être le canon. Canon, donc là, on va faire puissance de feu. On n'a pas besoin de faire une puissance de feu. Vitesse des balles, on s'en fout. Portée des dégâts, on s'en fout. Nous, ce qu'on va attendre, c'est celui-là. La vitesse de visée en sautant et la transition du sprint en sautant. C'est un canon court qu'il va me falloir à un moment donné. Et je l'attends vraiment avec impatience. Et il est débloquable au niveau 33. Donc vraiment, il va falloir saigner celui-là. Donc pour le moment, on va plutôt. J'ai rien d'autre à rajouter. Est-ce qu'il y a un inconvénient? Portée des dégâts. Là, on a portée des dégâts et vitesse de balle. On va faire celui-là. En accessoire de canon, là, on a celui-là qui est oscillation du viseur et contrôle du recul horizontal. Voilà, contrôle du recul horizontal et oscillation du viseur. Donc là, on choisit le deuxième parce qu'il y a plus de trucs. C'est assez important. Poignée arrière. Est-ce qu'on a une poignée arrière qui est plutôt pas mal? Résistance. Il y a moins de résistance au tressaillement, vitesse de transition de la glissade, vitesse de visée. Ça, c'est déjà mieux pour celui-là. Vitesse de visée. Est-ce que je privilégie celui-là?
Oh, bien, on va faire celui-là. Malheureusement, chargeur étendu. Là, je pense que ça, pour le moment, on va faire comme ça. Là, le laser de ciblage, j'ai décidé de le prendre parce que apparemment, c'est plus simple de faire comme ça. Le mode de tir, on est obligé de tendre. Parce que si je fais ça, on a une meilleure puissance de feu, mais on s'en fout. La crosse, on a une lourde. Et là, on a vitesse de déplacement en visant. Ok, là pour le moment, on est plutôt pas mal. Un chargeur, donc là, on a un chargeur étendu 10, 7, et de base, on est à 5. Bon, c'est pas trop grave, le 5, je m'en fous. Et maintenant, on va pouvoir passer au stand de tir. Déjà, là, tantôt, ça donne ça. Elle est nulle, elle est pas rapide. Et là, tu vois. Voilà, maintenant qu'on a fait ça, on est bon. Alors, on est à combien? J'ai pas fini. J'ai pas fini, et c'est là où ça va être le plus difficile, je pense, à mon sens. C'est parce qu'en fait, on va vraiment avoir protection balistique, parce que j'en ai marre de crever avec des logisticiens. Alors, j'aurais aimé avoir main leste, mais malheureusement, on l'a pas. Et on va prendre quartier maître. Et là, on a la spécialité qui est pas mal. Je vais faire un duplicata de celui-là. Et à la place, je vais prendre fantôme, tracker et vigilance. Et cette fois, on va changer juste celui-là. En fait, à chaque fois, on va changer juste le secondaire. Attends, il y a juste un truc qui va me choquer. Est-ce que celui-là, je l'ai bien fait? Non, j'ai déjà pillard. Donc là, j'ai ça. Et on va juste changer le secondaire. Secondaire, on va rester sur quelque chose de simple. Et en secondaire, on va prendre en secondaire. J'ai envie d'un tactique. Parce qu'il y a des tactiques qui sont pas trop dégueux. La DM, franchement, ça va être une dinguerie. DM10. Alors. Là, je l'ai que niveau 1. Donc, on peut rien faire de particulier, mais on va rester comme ça. Et plutôt cool. Maintenant qu'on est comme ça, maintenant qu'on a terminé. On a fait trois classes différentes avec la tantôt, avec un dé secondaire différent pour trois classes. On va les garder comme ça. Et puis voilà. Je pense que c'est pas mal. Maintenant, on va un petit peu faire des réglages. C'est juste important pour moi. C'est les séries de points. Séries de points, j'aime bien. On va enlever juste celui-là. Celui-là, il me nique à chaque fois. Là, on est à 650. On va plutôt aller. On va faire drone. Et le dernier, je ne l'ai pas encore débloqué. Ah, c'est dommage. Bon, on va rester avec l'hélicoptère de surveillance. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis content déjà d'avoir pu faire ce que je voulais. Et on se retrouve la prochaine fois. Sur ce, bye bye.